Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on approche de la fin d'une très très belle année pour la fédération et ses structures. On dépasse à nouveau les records du nombre de licenciés. Donc on a la joie d'avoir des clubs, des CT, des ligues qui accueillent de plus en plus de licenciés. Nos activités attirent de plus en plus et c'est un vrai bonheur que d'avoir un tel engouement pour l'ensemble de nos activités. Avec beaucoup d'actions, vous avez permis à vos adhérents de pratiquer l'ensemble de nos activités, que ce soit l'escalade en indoor, en outdoor, le ski de rando, le canyon, la randonnée, enfin tout a été proposé par nos adhérents et nous on se donne pour mission de vous donner les moyens de bien accueillir vos adhérents et de leur donner, de permettre de pratiquer leurs activités. Au niveau national, on a eu beaucoup d'actions au niveau des structures d'escalade, qu'elles soient artificielles dans les gymnases, pour permettre au club de proposer au quotidien des activités à leurs adhérents, mais aussi, comme vous le savez, sur les sites naturels d'escalade où, suite à la remise des choses dans l'ordre hein, sur les sites, sur les falaises, ben maintenant les choses suivent leur cours. S'il y a encore des falaises interdites, régulièrement, nous arrivons à obtenir la levée des interdictions sur le territoire. Et donc la saison qui se termine au niveau sportif, on peut en être fier aussi, hein, puisque bon, on va commencer par le ski alpinisme, puisque la saison est terminée et on a quand même Thibaut et Émilie qui remportent les deux grands globes de cristal, donc vainqueurs de la Coupe du Monde de ski alpiniste sur la saison. On a eu en escalade de beaux résultats puisque Bassa et Oriane ont gagné leur ticket pour Paris, mais on a eu aussi un champion du monde, Mika en bloc, et puis en para-escalade, 4 champions du monde cette saison, donc vraiment des résultats de très bon augure pour la suite de nos disciplines. Ces forts résultats sont le résultat effectivement de l'investissement de nos athlètes, de leur fort potentiel, mais aussi de l'équipe, l'ensemble des entraîneurs qui les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes, et on voit que ça paye. Donc la prochaine saison, bah, de nouveaux défis vont s'ouvrir. Déjà, résultat post-Jeux Olympiques dans toutes les fédérations, et ce sera, j'en suis convaincu, la même chose pour nous, un afflux de demandes d'adhésion dans nos clubs qui va donner lieu à une nouvelle croissance du nombre d'adhérents pour les clubs qui ont encore possibilité d'accueillir plus d'adhérents, ce qui n'est pas toujours le cas, faute de structure ou de professionnels pour les encadrer. Et puis aussi, maintenant, on en est sûr, l'occasion, la perspective des Jeux Olympiques de 2026 pour le ski alpinisme et probablement d'accueillir à nouveau en France des Jeux Olympiques en 2030, ce qui sera confirmé au début de la saison prochaine, et donc de belles perspectives au niveau sportif pour notre fédération avec une poursuite de notre croissance avec des activités qui attirent toujours de plus en plus. Voilà, le début de saison va être important pour nos structures. Hein. Comme vous le savez, il y a des élections qui se présentent comme à chaque fin d'Olympiade. Ça va être le cas cette année avec une grande nouveauté, puisque cette année, pour la première fois, l'ensemble de vos clubs seront amenés à s'exprimer pour élire la nouvelle équipe qui dirigera la fédération pour la prochaine Olympiade. Donc ça va se passer à compter du mois de septembre-octobre, où les comités territoriaux et les ligues verront leur équipe renouvelée, puis ce sera au tour de l'équipe qui dirigera la fédération au niveau national, dont les élections auront lieu fin novembre, et pour la première fois, vous serez amenés, tous les clubs, structures, comités territoriaux et ligues de la fédération seront amenés à s'exprimer à l'occasion de ces différentes élections. Voilà, il est temps maintenant de commencer à penser à préparer la rentrée. Sachez que nous sommes entièrement mobilisés pour vous accompagner dans cette nouvelle rentrée qui verra, j'en suis convaincu, venir de nouveaux adhérents. Vous avez le pack de rentrée pour mieux préparer la rentrée. Vous avez les nombreux packs FFME qui sont disponibles sur l'intranet. N'hésitez pas à les consulter quand vous avez besoin de renseignements, de compléter vos informations sur un sujet. Le service vie territoriale est complètement mobilisé, de même que le service informatique et nos équipes pour faire face à toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette nouvelle rentrée. Je vous souhaite d'ici là une très belle fin de saison pour vos événements de sortie, peut-être des sorties en falaise, des sorties club, des rencontres interclub, les activités comme la gravissime ou l'un des tas d'événements qui sont organisés soit par la fédération, soit par le comité territorial de la Ligue, soit par vos clubs. Profitez bien, faites-vous plaisir, rendez-vous pour celles et ceux qui seront au Bourget au mois d'août et puis à la saison prochaine pour de nouveaux succès.